C'est prétentieux de dire tout connaître. Enfin, je crois pas qu'il y ait une limite à la connaissance. Il y a tout ce dont on a hérité de notre savoir collectif, et puis il y a le reste. On est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, quand je dis « nous », c'est pas « nous » en tant qu'étudiants. Mais l'homme en général. On est toujours en train de découvrir le monde. On ne le connaît pas encore très bien, malgré les apparences. On fait de notre mieux dans chaque discipline pour en savoir davantage. À chaque nouvelle découverte, on s'en rend compte, en fait. À chaque fois que l'homme repousse un peu plus loin son savoir, on prend conscience du chemin qu'il lui reste à parcourir. Et plus on découvre de nouvelles choses, plus il semble y avoir de questions à résoudre. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Et qu'en faisant ça, vous éclairiez de nouveaux chemins, inconnus jusqu'alors. Mais ensemble, avec le Shells, nous pouvons repousser un peu plus loin les limites de la connaissance. Edgar Morin écrit « Qui augmente sa connaissance augmente son ignorance ». Reprenons ainsi l'aphorisme de Socrate « Je sais que je ne sais rien ». Il appelle chacun d'entre nous à l'humilité cognitive et résume en quelques mots la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est d'une infinie complexité. La perception que nous en avons est limitée par nos sens et nos capacités cognitives. Et plus nous avançons dans la connaissance, plus nous remettons en cause nos certitudes. Prenons l'exemple de la biologie. Au commencement était la bouillie primordiale. Comment est-on passé de cette bouillie de molécules élémentaires au monde actuel? L'enseignement de Darwin, enrichi par la génétique moderne, nous apprend que notre matériel génétique, l'ADN, mute en permanence pour modifier nos briques internes, nos protéines. Ainsi, au cours des 3 milliards d'années qui nous séparent de la vie primordiale terrestre, il s'est déroulé des milliards et des milliards de mutations qui ont conduit le vivant dans des directions multiples, avec des impasses et des échecs, mais aussi de magnifiques succès que sont les dizaines de millions d'espèces de plantes et d'animaux cohabitant sur notre fragile planète. Ces milliards de tentatives de changer le vivant ont façonné le monde au fil du temps pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, d'une infinie complexité. Dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire, la complexité est reine, car si le vivant sain est complexe à appréhender, le vivant malade l'est nécessairement encore plus, et pour le vétérinaire, la diversité des espèces à traiter rend l'art encore plus difficile. L'évolution nous a forgés pour survivre dans le monde grâce à la perception de notre environnement, que nous appréhendons de manière très imparfaite et incomplète avec nos cinq sens. Il y a 70 000 ans, notre cerveau d'Homo sapiens s'est organisé. Progressivement, grâce à notre intelligence et à la révolution scientifique et technologique de ces 3 derniers siècles, nous avons pu voir ce que nous n'étions pas censés voir. Les micro-organismes, l'organisation des cellules, la structure des atomes et bien d'autres choses encore. Néanmoins, il reste une déconnexion fondamentale entre le monde que nous percevons et le monde réel. Pour avancer tout de même, nous construisons des paradigmes et des théories. Nous inventons des axiomes, établissons des définitions et mesurons des constantes universelles que nous considérons comme la vérité du moment jusqu'à ce que les connaissances réputées acquises soient remises en cause par de nouvelles hypothèses explicatives. Et parfois, des certitudes sont balayées. Quelques exemples de controverses. Nicolas Copernic, au début du XVIe siècle, affirme que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres et qu'elle gravite autour du Soleil. Concept qui se révèle radical et choquant et remet en cause la pensée dominante. Louis Pasteur, au XIXe siècle, convainc ses pairs que la vie ne peut surgir ex nihilo et invalide définitivement la théorie vieille de 2000 ans de la génération spontanée. Dans un tout autre domaine, et très récemment, en 2017, la découverte d'ossements humains à l'ouest de Marrakech a bouleversé nos connaissances et fait reculer de 100 000 ans l'apparition de notre espèce qui serait désormais âgé de 300 000 ans. En somme, nous repoussons sans cesse les limites de la connaissance. Et comme l'a récemment formulé un universitaire québécois, la vérité absolue n'existe pas et la meilleure théorie est celle admise aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire. Mais au-delà de nos propres limites, des limites techniques et technologiques qui évoluent sans cesse et récemment très rapidement avec la révolution numérique, nous portons par notre propre action et notre propre volonté les limites de notre connaissance. En effet, l'émergence de nouvelles connaissances s'accompagne d'un débat permanent sur les limites éthiques de leur utilisation. L'homme s'interroge.
Est-ce que je suis digne de cette connaissance? Il a peur. Cette nouvelle connaissance ne porte-t-elle pas en elle le germe de ma propre extinction? Les débats éthiques interrogent sur la légitimité de telle ou telle recherche ou de telle ou telle technique et constituent de fait parfois des limites volontairement choisies par l'homme au nom de l'éthique et de l'intérêt général. On peut citer dans l'histoire des débats nourris sur la recherche embryonnaire et les cellules souches qui ont abouti à un encadrement très strict de leurs pratiques, sur les plantes OGM qui ont conduit à leur interdiction d'utilisation en France, ou encore sur l'expérimentation animale. Les États généraux de la bioéthique lancés récemment prévoient d'aborder d'autres enjeux, comme les techniques de séquençage et la médecine prédictive, les données de santé au regard du développement des objets connectés, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le 28 mars 2017, Elon Musk a annoncé le lancement de Neuralink, une société destinée à augmenter nos capacités cérébrales grâce à de minuscules composants électroniques entrelacés à nos 86 milliards de neurones. Sur la question de l'homme augmenté, les débats éthiques ne sont pas terminés. Mais alors, quel est le rôle d'une école d'enseignement supérieur et de recherche? BetaGrossup forme les acteurs de demain, des vétérinaires, des ingénieurs agronomes, des spécialistes de santé publique vétérinaire, qui à leur tour, je l'espère, repousseront toujours plus loin les limites de la connaissance. Parce qu'ils auront la volonté de vivre dans un monde meilleur, de contribuer à la santé globale, de l'homme, de l'animal, des territoires dans lesquels nous évoluons, de produire une alimentation de qualité avec des modes de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal, de contribuer à développer une économie où la valeur de chaque maillon est reconnue. Ma conviction, c'est que notre rôle est de susciter chez nos étudiants la soif d'apprendre, la soif de découvrir, la capacité à se remettre en question, l'esprit critique, l'humilité, l'éthique, et la capacité à avancer sereinement dans l'incertitude et à prendre du recul. Mais notre rôle, c'est aussi de favoriser l'interdisciplinarité, la transversalité. Et c'est bien ce que nous faisons tous ensemble à travers le CHELS pour façonner les honnêtes hommes et les honnêtes femmes de demain. Edgar Morin nous dit que la connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitudes. À tous, je vous souhaite une très bonne navigation.